Yo yo yo. Comment ça va? Qu'est-ce que ça dit, Dobo? Est-ce qu'elle a foncé, Madame Matou? Non, toujours pas en stream, la Matou, elle est toujours pas prête à être terrifiée. Bon, je sais pas comment vous allez, vous. Mais on va commencer un jeu que j'ai vu, que j'ai découvert il y a 2 jours. Enfin, j'ai vu le teasing à l'époque. J'avais assez peu calculé le bail. C'est le nouveau jeu de Dotnode, Jacent. Donc Jacent, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Un jeu contemplatif comme on les aime. Et après Hellblade hier, je pense que c'est une petite découverte sympa à faire. Au pire des cas, je le désinstalle. De toute façon, c'était par le Game Pass. Donc. Voilà. Donc bah on va se lancer ça. Rapidement. Et après, selon comment ça se passe, on ira finir chez Matou ou on finira la popée de FF. On va voir selon l'heure à laquelle on termine. Et forcément, il y a des trucs qui ont encore bougé. Elle est vachement sympa cette musique. Mais on va couper. Parce que là, ça va être beaucoup plus cool. Est-ce que je réduirai pas d'ailleurs la taille de la webcam tant que j'y suis? Alors 30 secondes parce que peut-être que si j'inverse la webcam ça va être plus sympa pour vous vu que je suis sur un écran différent d'habitude. Bah non, je veux pas quitter. Qu'est-ce que tu me chies toi? Qu'est-ce que tu dis donc, mon frérot? Voilà. En tout cas, la musique est vachement cool déjà. Ça crache ou ça commence aussi mal? Sérieusement? Ah mais non, mais d'accord. Quand on n'est pas en fenêtré aussi. Et pourtant. Terme maritime qualifiant la période pendant laquelle la marée est descendante. D'accord. Il n'y a donc plus d'eau dans ce monde. Très bien. Désolé, je voulais juste être sûr que le son c'était bon. Il a des lunettes 3D. Fidèle au même, hein, Dotnode, toujours une DA un peu particulière. Une sorte de self-shading un peu bizarre.
Ok, la musique est incroyable. Falloir commencer à grimper sans corde. Qu'est-ce que... D'accord, donc on est laissé comme ça, très bien. Ah, donc s'il y a un chemin déjà. Ok, donc appuyer, relâcher, appuyer, relâcher. Très bien. Ça, vous pouvez être sûr que l'un qui veut le faire. Est-ce que c'est le genre de jeu où je vais devoir explorer et trouver des trucs ou je vais juste devoir grimper? Non, faut juste que j'aille sur les voies du coup. Rien à pousser. D'accord. Ok, il va falloir que je m'habitue au truc. Voilà, très bien. Ça, c'est le genre de jeu qu'on aime. Ok. Ah, j'ai l'impression de revoir mes premières sessions d'escalade. Allez, on va valider la prise. Ok. Les trois petites icônes représentent les pitons secondaires. Pleines, ils sont disponibles. Vides, ils sont déjà rattachés à une paroi. Ok. Comme ça, et donc là. Ok, donc on a validé le deuxième. Ok, donc faut que je valide une fois sauté. Passer ma stamina. Ok, donc il y a des moments où il faudra se laisser tomber.
J'ai pas vu d'autres prises par contre. Pensez à switcher la droite, passer à la gauche. On va éviter de croiser. Toujours pas d'autres prises par contre. Allez, monte. Très bien. B, ça sert à le retirer du coup. On va monter vers la gauche. Ah, stylé. Parfait. Donc là il y a un chemin. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul chemin à chaque fois? Il y a des gens qui ont vécu ici. Yes, nickel. Donc quand on découvre des trucs, des petites musiques qui vont passer, histoire de dire que des gens ont vécu dans cette montagne. Nouvelle veillée, à retourner les pierres à l'ancienne embouchure. Récolte, deux relais, deux pièces, bonne pioche. On devrait pouvoir ouvrir vers le vieux cap avec ça. Non, c'est l'accalmie. Quelques vieilles lanternes que je pense pouvoir réveiller. Les gens jetaient de ces trucs. Ah, j'ai pêché une vieille machine à tricoter pour Agneau. Depuis, des cycles qui m'en demandent une, pas en grande forme, mais on devrait réussir à la bidouiller. Je sais pas encore comment j'ai remonté ça à basse mer par contre. J'ai un truc dans l'œil qui me casse la tête par contre. Déjà essayer de ne pas avoir la lumière dans l'œil, ça sera pas mal. Note pour moi-même, ne plus faire connaissance avec Rem. Il ne fait que désosser mes trouvailles et les revendre pour des pièces dans Léo. Ça se compte réparateur, mais c'est un vendeur d'écume, voilà ce que c'est. Ok. C'est pour l'instant intriguant. C'est une prise, ça. Non, c'est juste des nœuds de trucs marins. Donc basse mer ce serait là et haute mer ce serait plus haut. Je présume qu'il faut aller en face. Ok. Donc là, apparemment, on est au top. Est-ce que je peux encore me baisser?
Non, je suis au max, hein. Merde. Ah bah oui, je vois. Voilà, là c'est mieux. Oula. En fait, il y a plein de voies différentes. Pas mal, pas mal. En tout cas, on y retrouve les sensas. Et on peut poser un peu où on veut le point d'appui. Ok. En fait, c'est à moi de choisir la voie. Soit il y a la voie. Bon, après, l'idée c'est quand même qu'il démarque pour grimper. Mais... C'était un plongeoir. Ok. Étrange. Merde, j'y étais presque. J'ai bien vu hein, qu'il y avait une échelle, mais... Thank you.
J'arrive pas, je suis pas sûr de savoir si on peut s'approcher après. J'aurais bien voulu m'accrocher au rondin de bois. Et je pense que de toute façon, ça me paraît naturellement... Ça serait logique que ça devienne le chemin, en fait. Comment ça se passe à la série? 10 les clients se font rares au resto. Personne n'a fait escale ou presque au dernier apéro musical alors qu'il descend des gens de partout. Je sais qu'on ne joue plus des coquillages, mais quand même. Je me dis qu'en rajoutant un échafaudage sur le côté de la falaise à l'envers, ça aiderait à dévier les partants dans ma direction. Ça me manque de voir la terrasse remplie. Je pourrais bosser dessus, j'ai vu avec Basmer, tout le monde d'accord. Salut Mo, écoute, ça se passe. Me demandes-tu parfois autre chose que d'essausser des bateaux pour en faire des échelles? Comment peut-être si je suis disponible pour un repas romantique en tête à tête? Enfin bon, va pour ton échafaudage, puisque le village est d'accord, j'ai plus nombre de choix avec la nouvelle voie vers la plaine qu'il a fallu charpenter. Mais j'ai encore une épave aux dents de côté. Je te fais ça quand les points le permettent. T'en dois une, t'es la meilleure. Au fait, croises-tu la vieille Sonia parfois? Il me semble qu'elle fait fouille de ton côté en ce moment. Bref, si tu la vois, tu pourras lui dire que j'ai besoin d'une nouvelle plaque pour mon four. La mienne est en train de prendre l'eau et en attendant, mets donc le cap pour le restaurant. Je sais pas si c'est romantique comme il faut, mais on peut toujours se partager des mises. La question, c'est de savoir pourquoi il n'y a rien ici en fait. Est-ce qu'il faut mieux que je parte à gauche ou que je parte à droite? Ah, c'est en face qu'il faut aller. Là. Let's go. Non. Ah. Et ça a aucune utilité de descendre, ok. Let's go. Du coup, pour ceux qui nous rejoignent, on est sur Just Send, un jeu fait par Dontnod, ceux qui sont entre autres les parents de Remember Me, qui est un jeu incroyable, et Life is Strange, la série, qui est toute une série de jeux tout aussi incroyable, qui a marqué beaucoup d'entre nous. Et du coup, ça c'est leur nouveau bébé qui est sorti aujourd'hui ou hier, je sais plus vraiment. Je crois qu'il est sorti hier. Et c'est un jeu... dont le terme raconte, ça parle des fonds marins. Enfin, non, de commentaire. Jesset, la signification en gros, c'est les courants d'eau quand ils montent et ils redescendent, quand ils sont descendants. Et donc là, on doit grimper pour l'instant de ce que je sais, et on découvre que des gens ont vécu sur ce pic. Maintenant, le pourquoi on grimpe, je ne le sais pas encore, mais je pense qu'on va bientôt le découvrir. Donc ça marche un peu à la guerre. D'accord, c'était quoi ça? Ça marche aussi un peu à la gâchette, dans le sens que gâchette gauche, gâchette droite, bras droit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il m'indique quelque chose? En fait, il y a plusieurs chemins et je veux pas louper quoi que ce soit.
Le fait qu'il t'indique des chemins comme ça me rend ouf. Ok, logique. Je suis encore en train d'essayer de comprendre comment tout marche, mais pour l'instant c'est plutôt très stylé. Ça commence gentiment à se corser en termes de grimpe. Bon, lumière et vent, d'accord, très bien. Ah. Est-ce qu'il y a un moyen d'accéder à ça? Oh, la balançoire. Mais qu'en commençant mon quart, pour préparer la traversée que j'ai réalisée. Ma dernière rotation pour apprévisionner Fumerole. Après, on se débrouillera avec ce qu'on a. Qu'est-ce que je donnerais pour que tout redevienne comme avant? Voir les gens heureux, les petits chauds grimper les parois pour plonger en les vagues. Et nous autres, pêche à l'eau, réapprendre à pêcher. Tout ce que les vieux nous comptent à longueur de veille. Mais c'est assez de nostalgie. J'ai une caravane à préparer et un désert à naviguer. Ça ne va pas se faire tout seul. Curieux, donc il traverserait les déserts, mais comment? Un peu à la manière de Dune, je vois. J'ai du mal à comprendre. Pour moi, il y a moyen de descendre sur ces trucs. Je sais pas comment. Mais je pense qu'il y a moyen. Est-ce que c'est considéré comme un mur, ça? Oh, s'ils ont réussi à rendre toute la zone comme ça. Ok. Est-ce qu'on arrive à quelque chose là? Ok, donc là c'est considéré comme un mur, très bien. J'aurais bien aimé accéder à la zone là-bas. Parce que c'est pas anodin à mon avis qu'il te le montre. C'est pas juste pour le plaisir d'eux. Enfin, ça me semblerait pas logique. Là, il y a le vent qui est indiqué, mais pourquoi faire? Là, à gauche. Nickel. Ok, ça devient différent là en termes de grain. Comment qu'il va le vif? Allez. Chop là, yes.
Ouais, vas-y. Nickel. Bah écoute, on découvre ce petit jeu et ça s'avère plutôt pas mal, hein. Oula, 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 oula. Je t'ai demandé de l'énergie dans la main, je t'ai pas demandé de faire de la merde. Nickel. Le petit double saut qui s'est validé. Ah d'accord. Ah d'accord. Bon, on n'a pas fini de grimper. Bien, bien. Et toi, ton jour férié? Bah, mon jour férié, il change pas des autres jours. Hein. On attend toujours le départ. Et pour Halloween, ben, je l'ai fait chez moi, tout seul. Les gens par chez moi, ils le fêtent pas trop Halloween, donc je me suis cordialement fait chier. Et toi? Nickel. Donc là, je présume que c'est là. Putain, mais il y a encore ces rondins de bois de mort là. Et si. Là, j'entends qu'on peut grimper avec. Mais comment on y accède? J'ai l'impression qu'il s'amuse à me dessiner un chemin que je peux pas prendre. C'est perturbant comme idée. Mais par contre, le jeu est très beau pour l'instant. Ok, donc ça, je peux m'y accrocher. Ça aussi. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi je grimpe. McDo avec le staff déguisé, quiz party et escape game pirate. Into session entre potes sur Mario Wonder. Bah c'est une bonne soirée ça. Il est bien Mario Wonder? Je vois tout le monde dessus en ce moment, donc je me dis que oui. En escalade, joystick gauche permet de récupérer de l'endurance. Je te jure que si j'avais une salle d'escalade près de chez moi avec mes potes, si j'avais été à Lyon, j'aurais amené une manette. Et j'aurais fait la blague de hey, j'ai un joystick gauche pour récupérer mon endurance. Juste parce que je trouve ça très drôle. Ben ça va, t'as l'air d'avoir passé une bonne soirée, c'est cool. Et j'ai pas écouté la story de Matou. Elle va faire le sub goal ce soir du coup, ou trop fatiguée? Les bateaux, on les entend là. Matou attend Fafa. Ok. Vu le jeu, je comprends. Vu le jeu, je la comprends tout à fait. La lumière là, elle doit flasher les yeux, c'est chiant. Ah non, pas bon. T'aurais vu sa tête quand elle a eu 30 subs en moins d'une heure? Bah écoute, j'ai vu les mêmes, je lui en ai parlé, je lui ai dit mais comment t'as pu avoir ça? Elle m'a dit cherche pas, c'est encore un coup de la Dracolonie. J'étais en mode bah t'as bien de la chance. Mais là, vous m'avez régalé. J'étais pas là et franchement, vous avez réussi à me régaler. D'accord, je présume que l'idée, ça va être d'aller en face. Sinon, ça servira à rien d'avoir un chemin.
pas de truc qui... En fait, genre, j'ai trop joué à des jeux qui t'indiquent rien, donc du coup, j'ai l'impression qu'on va me l'indiquer... On va pas me l'indiquer, en fait. Ok, donc là, on va carrément dans la montagne. Les petites cairns. Un hommage aux morts, ça, il me semble, les cairns. Ou c'est un hommage aux voyageurs, je sais plus. Donc, j'ai déjà grimpé tout ça, du coup. Très bien. Ces trois mondos ont craqué un plomb sur tout le monde en enchaînant les édits. Vous avez été super vif, hein. Sans mauvaise blague sur ton mot, sur ton pseudo. Franchement, j'ai vu l'info qu'elle avait eu ses subs et juste après, j'ai vu les mêmes, j'ai dit ah ouais, d'accord. Point faible, trop fort, quoi. Ah oui, mais d'accord, c'est vous qui avez offert les subs. Vous êtes des grands malades. En même temps, tu me diras, moi de mon côté, j'ai Flo qui offre des subs, des cheers dès qu'il peut, donc. Dans le genre malade, il se pose là. Lynn est partie dans les hauts pour réclamer une allonge de chantier. Sans la chef, les fouilles sont mises à sec. Ça, je peux te le dire, c'est pas désagréable. Gruter des caisses, des palettes, des barils, ça, c'est mon domaine. Mais déplacer leurs vieilles pierres là? Au moindre roulis, il y a tout le monde qui claque les genoux. Enfin bon, je commençais à me faire l'idée de bosser avec les archéologues, me rendre utile à nouveau, quoi, et déjà le boulot est en rade. Mais tant que ça reprenne, je vois pas quel moyen on peut mettre ça. Et toi, comment ça se passe à Basse-Mer? Est-ce que Didier refuse toujours d'aller en classe? Mon aimé, je suis content d'avoir tes nouvelles, tu nous manques beaucoup, beaucoup, je te dis. On fait l'école à la maison et je suis bien dans le bouillon. Tu te souviens, toi, du nom de tous les recoins de la tour? Je me rappelle même pas qu'on ait appris ça. J'ai donné à Didier un devoir à faire sur le vieil hôtel pour l'occuper un peu. Il doit en recopier le dessin. Je l'ai accompagné quand même. Une éternité que j'étais pas allé derrière le village. J'avais oublié que c'était sombre comme ça. Mais tu connais Di, c'est une qui n'a peur de rien. Et puis, elle est contente de naviguer le passé comme toi. En parlant de ça, tes archéologues, est-ce qu'ils ont enfin retrouvé le comment des marais? Ça fait un moment qu'ils creusent le sujet. Tu l'as? Tu sais quand tu vas pouvoir remonter? 518 noix Korogu, rien que ça, le type est fou, le type est chaud. Bon, de ce que je comprends, pour l'instant de l'histoire, on est sur un dialogue marin. Il y en a qui naviguent dans le sable et dans le désert un peu à la dune. Les archéologues naviguent dans le passé. Ils emploient très peu de mots géothermiques par rapport à l'escalade et tout ça. Et on reste sur cette idée de marin et ça a l'air d'être un ancien peuple. Au vu des signes. Et cette tour existe depuis longtemps. Il y a des signes d'oiseaux, il y a des bruits marins. C'est curieux, je comprends pas tout. Et l'histoire, ça te dit quoi, Joe, sinon? J'ai du mal à croire qu'ils font toute une ambiance de light. Ouais, mais c'est un mur ras, genre je vais pas pouvoir le grimper ça. Ça m'étonnerait. Non, c'est bien ce qui me semblait. Pour moi, ça c'est des prises possibles, mais il n'y en a pas d'autres derrière. Non. Bref. T'as mis Breath of the Wild et qui... Enfin, BTW c'est pour Breath of the Wild ou j'interprète? Pour moi c'est un chemin de grimpe ça. Ah oui. Bah ça fait un moment, du coup ça fait un moment que t'as pas dû passer. Je crois que j'ai fait ça il y a une dizaine de jours à peu près. Ah quel enfer! Non mais surtout que je l'ai mis sur tout l'écran gros, donc si tu commences à faire ça, on n'a pas fini mon pote. Non. Mais quel enfer, mais arrête-toi. Vif, tu arrêtes.
ça pose des dégâts de ventouse, c'est quel genre de grimpeur? Bah écoute, genre, il est censé avoir un item que j'ai pas encore utilisé ou que j'ai pas encore trouvé. Et je suis obligé de poser à chaque fois des ventouses pour grimper, ce qui me saoule un peu d'ailleurs. Alors, naturellement, la light, elle m'amène là. La light attire mon regard, donc je devrais grimper là ou... Ah non, c'est juste moi qui suis très con. J'ai tellement foncé vers là-bas que j'ai pas checké derrière. My bad. Ouais, tu faisais le test, hein. Fais gaffe, hein. Je vais te Théo. C'est bien d'avoir... Waouh, c'est beau. Alors qu'avec une mécanique de perceuse pour poser un spit et ensuite poser une dégaine... Eh, on n'y pense pas, mais... Et d'ailleurs, Jo, j'ai appris un truc. Tu savais qu'il fallait utiliser le joystick gauche pour recharger ton endurance quand tu fais de l'escalade? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le jeu. Et moi, je suis sûr que ça, tu le fais pas. Avec gestion du stock de dégaine et gestion de la longueur de corde. Exact. Sans oublier sa potion enduro au cas où. Parce que sans potion enduro, on n'est pas dans la D. Ce qui me fait penser que maintenant que j'ai une manette de Switch, je pourrais enfin reprendre Zelda. Tu fais ça avec ton zob, mais putain, mais quelle galère ce type. Il m'épuise. Par contre, faut qu'on m'explique comment les bateaux sont arrivés là, quoi. Je suis sûr que l'histoire, c'est comme 2012. On va monter sur la plus haute montagne qui est restée. On est déjà haut, hein. Alors... J'entends que le décor change et tout en montant, qu'ils vont jouer sur l'idée que c'est une montagne et tout, mais si dans le désert il y a des crabes, si au fond du désert il y a du sable, c'est quand? Et que bah, techniquement il n'y a plus d'eau, c'est qu'en fait là ce qu'on voit c'est des coraux, non? Ça ressemble plus à des coraux qu'à des rochers. Dis-moi pas que c'est la magnésie dans son dos là. Ben, je pense pas, parce que c'est un truc qui fait du bruit et qui a l'air de bouger. Je sais juste pas encore ce que c'est, mais je pense qu'on va bientôt le savoir. Mais non, non, je pense pas que ce soit de la magnésie. Enfin, j'espère pas. Je vois des chemins que je vois pas quand je suis en bas, quoi. Comment je vais en face là? Ah bah comme ça peut-être. Non? C'est trop haut. Trop haut. Ah faut que je monte encore. Et pourquoi il y a des porcinets là? Voilà quand on veut. Enfin le départ. 12 octaves après le jeu Sent. Donc, on est plusieurs jours après Chloé BC. C'est de la ligne Casey, exactement. Je suis tellement contente, je n'ai pas réussi à dormir. C'est la vieille capitaine Rick qui en moi a retenu mon attention. Il sonnait comme de la poésie, expédition vers les nuages, cherchons l'espoir et l'eau, rendez-vous à 12 octaves. Depuis le temps que je marine, en essayant de trouver un sens à ma vie. Ça me fera du bien de voir du pays. Comme dirait Aimé, j'espère tellement que nous pourrons faire étape à son refuge. Rien qu'à l'idée de la revoir, je sais que je prends la bonne décision. Avec un peu de chance, il y aura d'autres motifs à partir depuis Basse-Mer. Je voudrais pas faire le chemin seul, jusqu'au point de rencontre avec le reste de l'expédition. La seule fois où j'ai quitté les environs, c'était pour la fête des moissons quand je n'étais que menu fretin. Alors une expédition comme celle-ci, n'en parlons pas. Ils veulent mettre cap sur les nuages. Oh mince, mes parents, je les ai oubliés, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Salut les vieux, je pars à l'aventure, à la revoyure, si, peut-être, je rentre en vie.
Mais bien sûr, Bianca, n'oublie pas de prendre de quoi goûter. Ne valait ne rien leur dire et prendre de quoi goûter, quoi d'autre? Qu'est-ce que les gens mènent d'habitude? Une chose est prévue, pas d'expédition sans journal de bord. J'ai tout prévu, je vais faire comme les expéditions qui partent dans la plaine de sel à la recherche des trous d'eau. Je vais semer mon journal en chemin pour les éventuelles personnes qui partiraient à notre suite, à commencer par ce message. Je te dis au revoir, mon phare. Tu m'as accueilli intrigué et tu m'as tenu compagnie pendant mes trop nombreux questionnements. Toujours là pour moi, je te laisse aux petits becs, qui feront veiller sur toi depuis le ciel et pour garder ce message, t'en laisse un fabriquer de mes mains. Ok. C'est Just Sent, du coup, ouais. Et je sais pas du tout si il est sur Switch. Je pense, connaissant Dontnod. C'est un petit jeu court, il doit coûter 20 boules. Mais là, je l'ai trouvé sur le Xbox Game Pass, donc je sais pas trop. Mais je pense. Après, toi, t'as déjà Zelda à faire, quoi. Et en fait, Zelda, genre, ce qui me saoule, c'est que techniquement, vu que j'ai rush l'histoire, mais est-ce que les noix Korogu et tout ça, et bah, ça m'intéresse assez peu de les farm, donc. En vrai, là, si je prends le jeu, j'en ai pour, je sais pas, je pense 10-15 heures. Enfin, il me manque peut-être un peu de puissance pour aller me faire Ganon, mais. Ganon ou le boss final, parce que si ça se trouve, c'est même pas Ganon qu'on doit battre. Enfin, je pense, mais. Mais Mario Wonder, c'est quoi? Parce que tout le monde m'en parle et je sais pas du tout ce que c'est. Et je vois tout le monde qui est dessus en mode turbo hype. Bah, les quêtes annexes, j'en ai fait pas mal en vrai, donc. Oula, oula! Hey. Et je suis censé aller où là? Est-ce que peut-être... Ah, c'est un Mario 2D, d'accord. Bah après, tu sais comment je fais sur les jeux un peu Mario et compagnie. Ok, donc c'est juste du décor. Est-ce qu'en se balançant, je peux remonter, par contre? Ah putain, je suis bloqué là. Oula, je suis tombé vachement bas. Il se transforme en éléphant. Waouh. C'est ouf quand même. Mais Mario, j'aime pas ça, je m'emmerde sur Mario. Non, c'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que j'ai jamais compris le principe. Dans le sens que j'entends que des. Genre les Mario Sunshine, Galaxy et. Et comment il s'appelait le premier Mario sur Switch? Ceux-là, à la limite, je comprends. Mario 2D, je t'avoue que ouais, non, bof. Mais faut pas croiser, t'es ouf toi. D'accord. Et ensuite. Bah, pas tant, hein, parce qu'il y a plein de gens de mon âge qui kiffent ça. Moi, c'est juste pas du tout ma came. Mais je comprends que les gens kiffent, par contre. C'est juste que, ouais, non, moi je. Bof, quoi. Hey, merde. Nickel. Et ben, ça en fait des trucs à grimper encore.
Ok. Et l'idée, ça va être d'aller où du coup? Ensuite, comme ça, yes. Pourquoi? Pour l'expo? Merde, 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 merde. Oui, je l'ai dit à ceux qui passaient, mais il n'y a pas trop de Lillois par ici, donc. Donc je l'ai fait passer sur certains trucs communautaires où je suis, je l'ai vite dit sur mes réseaux. Pas besoin de plus, tu sais. Pour l'instant, disons que les gens qui viennent ici viennent pas assez régulièrement pour être intéressés par ces trucs-là. Après, les gens en général quand ils passent, ils regardent les photos, ils trouvent ça cool, donc. Merde. Donc oui, c'est passé déjà l'info. Bah, je pense qu'il va y avoir du monde quand même. Et ça, monsieur, dame, c'est comment on fait bugger un jeu. Je fais de la fumée. Oh, Emilienne. Bon bah. Les petits bugs, bien 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 comme on aime. Un oub. Ah ouais, non. La blague. Tout ça pour arriver du coup sur la tyrolienne au final. Ok. Mais donc du coup là sur les Nokorogu, t'es plus de la moitié, t'es un peu plus de la moitié. Hein. Et toujours sans soluce ou t'as commencé à utiliser la soluce? Bien joué. Respect. Franchement, le mec est chaud. Les contrôles, c'est pas toujours ça. Hein. Bon, après, le problème, c'est peut-être le contrôleur plutôt que le contrôle. 518, putain. Mais 1000 noix Korogu, genre franchement. Et au final, t'es allé te le faire Ganon sur Breath of the Wild? Ça rend fou quand même de se dire qu'il te manque une noix quoi. J'espère que ça va pas le faire sur celui-là. En vrai, c'est 900, il y en a qui en donnent 2. Bah, c'est vrai que, ouais, avec ceux qui en donnent 2, au final, ils ok. Je sais plus à combien je suis, du coup, avec ceux qui en donnent 2, je crois que j'ai réussi à faire. Je crois que je suis à 200, quoi. Plutôt plus. Je pense à peu près, je suis à 200, ouais. Le mec, il a développé une stratégie tapeur.
Ah mais t'as pas activé toutes les tours encore? Ah ouais, tu fais vraiment zone par zone quoi. T'es un malade. T'es un malade mec, t'es un malade. Le mec est un fou. Par contre, ouais, non, moi, genre, j'ai trop de pitié. Enfin, pas un pitié, je dis, mais j'ai trop un autisme d'avoir besoin de voir toute la carte. Là, j'ai fait tout le nord et l'est. Ok. Et maintenant, il reste... ouais, bah, tout le sud. En vrai, t'as encore des grosses zones à explorer, des zones bien chiantes. Hein. Ça va qu'ils ont pas fait le coup dans les souterrains, parce que sinon, quel enfer. Ah mais le désert, je la déteste cette zone. C'est quoi ce truc? Mort. C'est lequel le troisième pour toi du coup? T'as fait quoi comme temple pour l'instant? Ah c'est stylé hein. Ah, la DA, elle est folle. Piaf, Zora et la Goron. Ok. Goron, apparemment, il est chaud. Yo, 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 ça va, comment ça va? Comment ça va? Désolé. Ok, donc on va redonner vie à ce monde. Via les pouvoirs qu'on aurait. Curieux. J'aime bien les jeux comme ça, putain, c'est stylé. Attends, moi j'ai fait qui? J'ai fait Piaf, Zora, ça c'est sûr. Et après c'est Goron et... Après les Gorons, c'est quoi? Bah écoute, il y a un clip qui me montre sur la fin de Baldur en PLS. Tellement j'étais en mode c'est incroyable. Donc ouais, plutôt. Hein. Ah oui, Gerudo. Donc il me reste Gerudo et Goron à faire. Parce que j'ai trouvé le temple des Gorons. Et apparemment, c'est un turbo enfer à accéder. Donc faut que je m'occupe de ça. Et après, je ferai les quêtes secondaires. Mais vu que je vais avoir mon matos pour stream la Switch, quand je serai au Japon, je pense que je streamerai au Japon. Ça me permettra de faire un peu de gaming de temps en temps. Mais ouais, ouais, la fin de Baldur, ça s'est très très bien passé. Je t'avoue que j'ai passé 2 jours en PLS à me demander comment faire pour reprendre sens à la vie et goût à la vie. Et j'ai eu la très bonne idée de reprendre FF14 et l'épopée. Je viens de finir Shadowbringer tout à l'heure. Et Shadowbringer, comment te dire que ça m'a mis en turbo PLS aussi. Donc j'aurais pu ne pas accéder à la tour, t'es en train de me dire? Faut la combi surtout spéciale, mais j'ai tellement dosé que j'ai pris au Goron direct. Je l'ai pris aussi au direct au Goron, je vais pas chercher plus loin, je t'avoue.
Ok. Eh, belle bite, hein. Tu veux pas tendre ton bras droit, frère? Voilà. Comment qu'ils vont les couillons? 24 novembre, hein. Les astres s'alignent, rappelons-le. Et du coup, Vic, c'est confirmé, hein. Je suis dispo vendredi. Oula, ça, c'est un truc de double saut, ça encore. On va dormir en cuillère ensemble, j'ai hâte. Seulement sur un canapé qui sent déjà l'homme. J'ai un doute. C'est bon, ça passe. Je vais vous faire découvrir l'île. C'est dire qu'avec ce qu'on doit faire à l'île et tout, ça va être compliqué de découvrir l'île sans picoler. On va être obligé de découvrir l'île sans picoler. Et ça, je trouve ça triste. Dans la moiteur et la dèche, exactement. Par contre, putain, vu que c'est sera au bar, va falloir que je vous fasse goûter des... Enfin, Nico et moi, va falloir qu'on vous fasse goûter des trucs du nord, là. Ça va pas être possible, sinon. Maintenant, la question, c'est de savoir si on va vous faire goûter l'américain classique ou si... Non, faut qu'on se mange un Welsh le samedi midi avant de partir. Sans picoler, tu dois report. Moi, surtout pour mon départ, je me vois pas partir de l'île sans picoler. Et surtout que, de ce que j'ai compris, entre ceux de Twitter qui viennent nous voir et les quelques potes que j'ai à Lille... Voilà. Ah, mais surtout que je vous vois pas l'un comme l'autre partir sans avoir mangé un Welsh. Parce que ça, c'est une dinguerie. Je suis pas un grand fan du Welsh, parce que moi, je mangerais un moule frit ou un truc comme ça. Mais pour quelqu'un qui connaît pas, ça a dégommé direct. Bah, je sais que moi, de mon côté, il y a quelques vieux potes de Lille et des modèles qui viennent. Après, ouais, je présume qu'il va y avoir des photographes, forcément. C'est quoi, c'est une énigme ou... Je suis censé faire un truc? Non, mais Matisse qui prend son train... Mais attends, mais tu te rends quand même compte, quoi, dans l'histoire, ça veut dire que Matisse... Oh, tout de suite. Tout de suite, pourquoi on me fait passer? Ouais, je suis pas sûr de comprendre. Ok, j'ai allumé une lumière, c'est très bien. Mais Mathis, pour revenir à lui, ça veut dire qu'il faut qu'il trouve un hébergement aussi dans l'histoire. C'est une porte ou c'est juste une lumière à un trésor que je viens d'activer? Il va t'appeler retour Tarbilpon Saké. Bah ouais, mais gros, s'il est monté en train, ça veut dire que potentiellement il a trouvé une caisse pour venir, moi je vois que ça. Est-ce que ça voudrait dire que... Logiquement... Et là, ça remonte. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu pourrais monter, s'il te plaît? Non, j'ai dit monter, frérot. Il y en a plusieurs qui cherchent des gens chez qui dormir. Là, c'est une dinguerie. Mais en vrai, wesh... Après, moi, je suis pas particulièrement surpris, hein, parce que toi, Joe, t'es pote avec pas mal de gens, et à force de parler, d'être sur beaucoup d'endroits...
Moi, ça me surprend pas tant, hein, je t'avoue. Enfin, après, c'est peut-être moi qui a un ego, un melon de ouf, mais pas tant surpris. J'ai tellement le syndrome là, de l'imposteur qui pop. Alors moi, pas du tout. J'ai juste... j'avoue, pour 20 photos, sachant que j'ai même pas choisi mes... Enfin si, j'ai choisi des photos que j'aime bien, mais... Moi, ma seule vraie frayeur, c'est plus le côté que... Que les gens s'ennuient, tu vois, qu'ils sont un peu déçus. C'est plus ça. Genre, par contre, non, le syndrome de l'imposteur... J'ai toujours l'impression que je fais pas mes meilleures images et que je les ferai qu'une fois partie, ça c'est clair. Mais le syndrome de l'imposteur, non, c'est bon, ça, au bout d'un moment, on va arrêter les conneries. Les gens, ils ont sorti un billet pour venir nous voir, bah, tant mieux. Ah mais clairement, je suis à chier comme mec. Je comprends pas du tout ce que je dois faire. Wrong shot. Oui, oui. Et donc du coup, ça voudrait dire que c'est pas là que je dois aller. Je comprends pas. Expliquez-moi! Mais tu veux pas t'accrocher, frère? Est-ce que ça, ça voudrait dire que c'est juste une déco, du coup? Je pense, hein. Mec, moi je vais pas dans une expo si c'est pas à Paname. Bah ouais, mais apparemment c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Apparemment c'est pas le cas de tout le monde. Et tant mieux en soi. Moi je t'avoue que je vais dans une expo si l'idée de base me plaît. Maintenant, t'avoue que dès que je vois un nom se rajouter, je suis en mode ok, d'accord, très bien, pourquoi pas. Ouais, j'ai vu le message tout à l'heure. Ça va être cool. Non, en vrai, il va y avoir du monde. Pour l'instant, les noms que je vois pop qui veulent venir, c'est que des noms de gens que j'ai envie de voir, donc moi je suis content. En fait, ce qu'on arrive à faire, c'est exactement ce qu'on a toujours voulu faire, c'est-à-dire qu'on arrive à rassembler les gens qu'on apprécie, donc moi j'en demande pas plus, hein. Je vais pas être obligé de chercher une solution quand même à un moment. Après, moi j'ai regardé en speed, hein, frère. Genre, je vois des noms apparaître. Et c'est tout, tu vois. Et attends, mais donc on peut pas reculer, genre. Non, mais il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un dans le chat, même si j'y crois pas, hein, mais je demande, sait-on jamais, jouerait au jeu et saurait me dire. J'ai rien dit. C'est juste moi qui suis totalement con. Et allez, ça commence. Non mais là en vrai il y a que des bons qui viennent donc c'est cool. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, qui comprendraient pas la discussion, même si ça m'étonnerait, le collectif dont je fais partie, le Globe Children Club, un collectif de photographes, d'artistes en fait, hein, vu qu'on a on est multicasquette, entre vidéastes, photographes, beatmakers. Organise une expo photo release party de notre troisième Zine. Je sais jamais si je dois le présenter comme un Zine ou un album. En bref, on a sorti un Zine et aussi un qui était aussi un Zine, donc c'est un livret, un petit livre photo, qui est aussi un album. Et le 24 novembre à Lille, à Oisem, on va organiser une expo. Donc venez, ça va être une release party sympa, va y avoir de la bière, va y avoir du son, va y avoir des gens sympas, va y avoir beaucoup d'alcool parce que vu qu'on sera à Lille un 24 novembre, il va faire froid.
Et ça va être cool. Bah j'avoue que là c'est. Je me dis peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas vu en sautant, tu vois. Mais en tout cas, le 24 novembre, ça va être très chouette. Il est où le mode photo? Ah donc en fait ça c'est un truc qu'il faut trouver très bien. Mais ça va être cool. On va s'amuser. Et si on s'amuse pas, en tout cas on va bien rigoler. Ah d'ailleurs un faux globe children comme les faux Mugiwara, je suis mort, c'est ouf. Mais d'ailleurs, en parlant de Mugiwara, ça me fait penser pirate, ça me fait penser drapeau. On en est où de cette histoire de drapeau? Je voulais t'envoyer un message pour ça, Joe, mais faut qu'on s'en occupe de ça, non? Pourquoi tu me dis que je peux grimper si je peux pas grimper, frère? Et pourquoi il y a une prise si je... Ah oui, voilà. Nada. Le drapeau, on le fait toujours ou pas? Parce que... Ah oui, ok. Bah écoute, demain, je vais essayer de checker ça. Demain, j'ai pas mal de coups de fil à passer pour le Japon. Faut que j'appelle ma banque. Faut que j'appelle le gars pour l'école. Parce que je dois payer l'école. Donc, j'ai pas mal de trucs à faire. Donc, je vais... Eh merde. Donc je vais essayer de gérer ça. Et je te trouve ça demain ou après-demain au max. Histoire qu'on en ait un. Et d'ailleurs, le truc de Nico, on l'a fait ou pas? Parce que vu que les billets de train, ils ont coûté plus cher. Bah oui frère, je vais aller apprendre la langue. Je vais arriver dans un pays où je maîtrise pas la langue et qui est totalement différente de la mienne et où ils parlent pas anglais. Donc... je vais aller apprendre le Jap. Vu que mon idée c'est de rester le plus longtemps possible, autant que j'apprenne la langue. Non, j'aurais pas d'uniforme malheureusement. Et en plus, l'uniforme il est relativement pas obligatoire. On sait que tu la maîtrises de la langue. Vous me saoulez les gars. Vous me saoulez. Non. Toi, tu vas monter un moment. On te saoule pas, tu veux juste faire bonne figure. Ouais, c'est à peu près l'idée. Mais Ah ouais, d'ailleurs, Vic, je t'ai pas dit. Mais tu sais, j'avais des soucis pour mon matos et tout. Et je te disais que ça me coûtait une blinde, que je galérais à trouver le matos et tout. Moi. Et Aishi, il m'a chopé hier et il m'a dit mais frère, genre tu pars dans un pays où la monnaie et où il y a très peu de taxes. Donc du coup en fait je vais acheter mon portable et mon Mac au Japon. Le Mac qui vient de sortir là, le M3. Je l'ai regardé en M3 normal ou en M3 Pro? Je crois que je l'ai regardé en Pro. 32 Go 1 Tera, il est à 2000 balles. Au lieu de 3500. Et tu vas me trouver un Ricoh GR1. Mais le GR1, ouais, t'as vu? Genre en vrai, il y a presque 1000 balles d'économie sur les taxes. Et pour les téléphones, genre il y a 300 balles d'économie sur les iPhones et Samsung. Mais les gars, ce que vous avez pas compris, c'est que je veux pas vous les ramener, c'est que vous allez venir les chercher. Alger, c'est l'argentique de Moriyama, ok. Ah, mais je pensais que moi, c'était un modèle, genre un peu, genre le modèle au-dessus du tien, ou un modèle historique du tien. Mais d'ailleurs, putain, genre, dès que j'arrive là-bas, genre, je digue pour le GR3. Et en vrai, j'aimerais bien, je vais voir un peu, parce qu'on m'a dit que les prix au Japon de l'argentique étaient assez vénères.
Et je vais voir si je vais si je vais m'y remettre là-bas parce que ça me manque un peu. C'est grand-papa des GR numériques. Ok, d'accord. Je vois. Je vois, je vois. En disant... La bestiole sur ma tronche, chez moi, après trois bières. Mais franchement, ça me rend ouf de me dire qu'il y a Lucas, moi, Nico et vous deux qui vont être dans la même pièce. Genre, c'est un truc, au bout de 2 ans, je pensais pas ça réalisable. Et là, poussière de Jewel Hussein. Cairn là. Maintenant la question c'est comment j'accède Ok, donc j'aurai un chemin plus rapide pour monter, c'est déjà ça. Ah, faut que je descende. Ah, du coup, c'est déceptif. Je vois pas l'utilité du truc là. D'accord. Ok, donc là il y a de quoi grimper, ça d'accord. Ouais. Ah, ok. Je veux pas trop charger en énergie, frère. Bah oui, c'est ce que je fais. Ah si, c'est bon, d'accord, faut appuyer. Nickel. Mais en fait, je devrais arriver au même endroit. Et moi, de base, c'est en montant que je veux faire. Moi, c'est là-haut que je veux monter. Là, je suis en train de faire un truc qui sert à rien. À moins que... Non, je pensais que ça allait dévoiler un truc, mais pas moi. Mais comment j'ai... Ah mais non, d'accord, ok. Bah non, ça marche toujours pas en fait. Non,
Ça a pas l'air d'être bon. Ok, là on est bon. Ah et d'ailleurs, Vic, si t'es toujours là, hier j'ai battu le premier boss de Royal Blade. C'est très très stylé le jeu. Hein. C'est un pain de savon, exactement. Mais là, il n'y a rien du coup. Le deuxième sera un contrat de travail. T'as tout compris. Encore un peu. Nickel. Bon, le truc c'est que j'ai plus que... J'ai plus beaucoup là de zones pour grimper. Non, merde. Allez, yes. Le dernier, c'est le daron qui était allé acheter du lait. Exactement, t'as tout compris. Mais par contre, là, je commence à battre des mobs dans le jeu au secours. Hein. Ah, par contre, l'endurance... au secours. Là, c'est le moment où jamais d'arriver, frère. Allez, yes. Une maison, cause départ, mousqueton, absent, coquillage, ascendant ou le changement de provision. Réparons, raccommodons, filaire, nez, point mousse, point de sable, tricot. Perdu, médaillon, brillant et rond, c'est du toc, mais j'ai le cœur gros. Cherchons l'espoir et l'eau, rendez-vous 12 octaves. Donc c'est pas là, il y a eu plusieurs personnes qui ont rendez-vous le 12 octaves. Ils sont plusieurs à être partis du coup. Moi aussi je veux une bestiole comme ça. Elle est trop trop cool la DA du jeu par contre. Tataïda, tu dois tout leur dire. Je suis parti en expédition dans le désert, moi aussi. On me dit tout le temps que je suis trop petite, n'importe quoi. Nil y va, lui. Il est pourtant bien plus haut. Et il est méchant, en plus. Moi, je suis obligé de rester au port, cueillir des algues toutes pourries et réviser mes leçons. Je suis sûr que ça serait plus drôle de gratter les canaux avec toi. J'ai envie de voir autre chose. Mais les parents veulent jamais que je m'éloigne du village. Tu peux leur parler? Dis, crois-moi, ma grande. Tu veux pas récupérer les tuyaux de la grande bassine? Ça, non. Tu vas pas aimer ce que je vais te dire, laisse couler, t'as le temps de grandir.
On ira bien assez tôt poser notre barque dans la plaine, nous aussi. Par exemple, j'ai le regret de t'annoncer qu'on devrait y aller avec tes parents. Pas le choix. Alors, il vaut mieux pas trop te fâcher avec eux dans le temps qui reste. J'ai pas envie de traverser la plaine entre vous trois si tout le monde fait la goule. Ta tata préférée. Un peu d'aide de temps en temps, on va pas dire non. Ah ouais, c'est une foutue ville en fait. T'as vu ça? C'est par ceux qu'on fait Life is Strange. C'est leur nouveau jeu, la DA, je la trouve incroyable. Genre, c'est un peu un cel shading 3D bizarre et tout. Ça me fait penser, j'allais dire une dinguerie, à Azur et Asmar, mais je sais pas, j'aime trop la DA. J'ai un peu du mal à... Enfin, je crois que je commence à comprendre, à voir où ils veulent m'amener. J'ai pas encore tout le bail, mais pour l'instant c'est très très stylé. Ah bah... Ouais, si, en vrai, il y a un petit bail hein, quand même, Azur et Asmar. Puis la petite bestiole, elle est trop mimi. Sea of Thieves, ouais, voilà, le côté un peu cel-shading, pâte à modeler. Je sais plus comment on appelle ça... Genre ça a un nom précis. Mais je l'ai pas en tête. Chicken Run, ouais, que j'ai vu aussi. Ouais, enfin, on s'est compris sur l'idée, quoi. Habituellement, atteindre Basse-Mer depuis mon vieux phare, c'est déjà une expédition pour moi. Difficile d'imaginer que ce n'était que le départ de l'aventure cette fois-ci. Au point de rendez-vous, je me suis retrouvé à attendre avec Matt, une jeune du coin, enfin, jeune, plus jeune que moi, disons. Ses parents sont déjà partis, mais elle a voulu rester. D'autant que notre génération a fait son choix. D'autres de notre génération ont fait ce choix. Ça a fait des vagues avec les anciens. Difficile de quitter le giron familial. Je connais peu Matt, mais on a déjà des choses en commun. Entre nos parents et nous, il y a une crevasse qui va en grandissant. Elle a eu l'air soulagée de me voir arriver. J'ai pas su quoi dire pour changer. Soit gêné, encore rouge de l'effort pour arriver là avec mon barda mal sanglé et sans doute complètement décoiffé. Toujours à l'aise avec les autres, bravo Bianca. Mais comme elle, j'étais rassuré de savoir que je n'avais pas à partir seul. À ma surprise, le vieux sol nous a rejoint. Je crois bien que je ne lui ai jamais parlé avant ça. Est-ce que des vieux gréments comme lui allaient parvenir à suivre le rythme? Depuis que je suis petite, Sol a toujours été le vieil ermite qui vit plus haut. Il me faisait peur. Il venait parfois au village comme une araignée qui descend à long son fil. Avec les autres enfants, on s'amusait à s'enfuir hurlant. Dès qu'on voyait s'approcher encore maintenant, j'avais le genou qui tremblait en le voyant arriver avec sa démarche. Nous sommes partis à trois. Personne ne nous a rejoints. Je me suis bien vite aperçu que je m'étais inquiété pour rien. Sol crapahute en tête, il doit être étrange aux pattes agiles qui dépasse le dévers sans aucune difficulté. Il est suivi de Maître qui déborde d'énergie. J'ai souvent l'impression que c'est moi la vieille.
Oh, puis ça fait du bien un jeu silencieux. Bon, en même temps, je dis ça alors qu'hier j'ai joué à Hellblade. Hein, genre, tu m'étonnes que j'ai envie d'un jeu silencieux. Il me faut monter, c'est pas pour juste admirer le paysage. Le mec est déter, hein, quand même. Parfait, ça. Non. Là. C'est juste un trésor ou j'avance dans la bonne direction? On est clairement dans des anciens fonds marins, il y a trop de traces de corail là. Là c'est le trésor par contre, je dirais. Enfin logiquement. Les petites musiques, elles sont trop belles. Et ça, c'est ma menu. Là, comme ça. J'étais parti pour faire un test d'une heure et demie et là je me retrouve comme un con à me dire que j'ai du mal à m'arrêter. Bon après en même temps ça me fait du bien après avoir passé toute la prime sur FF14. Allez, allez gamin. C'est quasiment un jeu de rythme en fait avec les gâchettes. Je paye un abonnement, j'ai un droit de regard. C'est moi qui décide. Je suis abonné, j'ai le droit. Je l'ai désactivé, je crois. Il a utilisé ses points et malheureusement ça ne marche pas. Je vais l'avoir en retard. Ah, tu l'as eu? Moi je l'ai pas eu. Pourtant je l'ai pas désactivé. Ah non, si tu m'avais eu. Bizarre. Je vais l'avoir avec masse retard. Je crois. Non, je les ai pas. C'est pas une force.
Donc vous, vous l'avez, mais moi je l'ai pas. Quelle est donc cette diablerie? Je vais les avoir en masse en retard. Quel est donc le fuck? Ok, étrange. D'habitude, je les ai. C'est plutôt moi qui dois avoir le son. Donc tu me dis que tu l'as eu la leçon, bro? C'est étrange. D'accord, mais moi je l'ai pas. Pourquoi tu... pourquoi tu... Hein? Ok. Donc vous, vous avez le droit d'avoir le son, mais moi je vais me faire foutre, c'est ça? Ah, alors, d'habitude, c'est plutôt vous qui l'avez pas, mais moi qui l'ai, et là, il n'est qu'un blabla. Mange. Pas avoir modifié. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.